salut à tous ses amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de ma maman. Salut maman. Bonjour Samuel. Bonjour les abonnés. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc voilà, ma maman est avec moi. Donc en fait on se retrouve pour la partie 3 déjà. Pour la partie 3 je me souviens plus, attendez. Je regarde dans les playlists, vite fait. Alors, playlist. Donc en fait, tout simplement, c'est les méchants commentaires. Voilà, les méchants commentaires, partie 3. Donc voilà, tout simplement, on va faire je réponds aux méchants comme tout simplement partie 3. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Je vous avais promis d'en faire une. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc là, je vais donner mon point de vue. Et ma maman va donner son point de vue. Donc tout simplement on va aller sur la dernière vidéo que j'ai sortie. Donc ça veut dire que c'est là. Celle-ci. J'offre des cadeaux à mon copain, il pleure en vidéo. Voilà. Donc on va cliquer dessus et tout simplement, on va voir les questions. J'espère que vous m'entendez parce que je parle pas trop fort parce que voilà, il est quand même 3h03 du matin quand on tourne cette vidéo. Voilà quoi. Vous voyez, il y en a qui dorment, il y en a qui bossent. Alors voilà. Et encore, ma maman, c'est parce qu'elle n'arrive pas à dormir, donc en fait, vas-y, on peut tourner une vidéo. Ah, c'est ça. Ouais, tout à fait. Voilà. Attendez, je dézoome un petit peu, les amis, parce que. Voilà, c'est parce que c'était fort zoomé aussi. Voilà. Donc, tout simplement, première question. T'es prête, maman? Je suis prête, Samuel. Premier commentaire de commentaire méchant. Donc en fait tout simplement c'est pas non plus très très méchant ce qu'ils me disent, mais voilà, je tiens quand même à faire une vidéo mes commentaires méchants. Donc c'est parti, YouTube me strike pas, ça sert à rien, je vais on va pas insulter dessus, on va être très poli. Donc c'est parti, donc voilà c'est parti. Donc une question pour Robert Chevalier. Un commentaire méchant. Donc alors, Robert Chevalier dit. T'es prête? Je suis prête. Un conseil, mec, arrête YouTube, c'est pas avec tes vidéos putaclic que tu perceras sur YouTube. Bon, déjà, Chevalier là. Alors, primo, de quoi je me mêle. Secondo, mon fils a 12 ans, il apprend, il essaie. Et en plus, je suis l'un des plus petits youtubeurs, déjà d'une des plus petits, parce que il y en a qui commencent fort tôt, 5 ans et tout, mais dans la communauté 12 ans, il y en a quelques-uns. Mais voilà, avec Panda Fire Game, on fait partie de ces youtubeurs là qui sont quand même petits sur YouTube. On commence de rien du tout et on finit par le point fort. Donc en fait, tout simplement, on est petit encore. Mais attendez, ça va se développer. Donc tout voilà. Simplement, voilà. Donc Chevalier, je te coupe, mais bon, si t'es pas intéressé par les vidéos de mon fils... Bah, tu regardes pas, puis c'est tout, tu zappes et puis tu vas regarder autre chose. Je sais pas, mets-toi un film de cul, j'en sais rien, fais quelque chose. Mais si tu veux pas regarder les vidéos parce que tu les trouves nulles, banales ou à chier, même si c'est toi qui as chier, c'est tout, c'est comme ça, il faut faire avec son temps, c'est tout. Là, ils sont jeunes, ils s'amusent, ils apprennent. Je trouve que il faut laisser, on est en démocratie, on fait un petit peu ce qu'on veut en plus, donc. D'arrêter les vidéos, toi déjà arrête tes coms non, et puis. Non, en plus oui, je te montre, il a pas de vidéo, il a rien, il a R. Quoi, donc c'est toi qui nous lâche chier quoi. Alors après c'est pas du tout une question pour se vexer, hein, on s'en fout de tes dires, mais on est obligé de répondre parce voilà. Que ça nous énerve, hein, des petits cons comme toi qui se permettent de juger des vidéos, ceci, cela. Ne regarde pas si ça t'emmerde. Voilà, c'est tout simplement. Voilà, je suis hyper d'accord avec ce que ma maman vient de dire. Bien sûr. Donc en fait, tout simplement, ces petits kikous là qui font n'importe quoi, en fait, moi je les supporte plus. Parce que tout simplement, d'une,
il dit arrêtez YouTube. Arrête YouTube, frère. Mais... Mec, il dit. Ouais, mec, c'est pas... C'est pareil. Déjà, mec, hein. Début. Mais, mec, déjà, d'une, critique pas. Parce que les commentaires que vous aurez vus, je vous mets le lien de la vidéo où vous pourrez trouver mes commentaires. Déjà, de toute façon, je relis les commentaires que j'ai dit. Arrêtez de critiquer. Vous êtes pas créateur. Donc fermez tous vos gueules. Voilà. Je sais pas si ça sera bipé. Je m'en bats les couilles. Donc vous êtes pas créateur. Vous êtes rien du tout. Vous êtes pas créateur. Donc fermez vos gueules. Et puis, ça fera des vacances tout simplement à toute ma communauté. Et aux communautés des gens que tu critiques. Donc après je dis c'est quoi ça? Et encore chevalier? Non attends, c'est là. Chevalier, va te coucher, je te dis va te coucher parce que là franchement tu crains sérieux. Je sais pas si ça sera bipé tes trucs. Je m'en fous, ça sera bipé, mais j'espère qu'il va les voir ou les entendre parce que. Bah, je lui enverrai un peu. Ouais. T'inquiète. Donc. Écoute bien jusqu'à la fin. Ouais, écoute bien jusqu'à la fin parce que. Après les insultes, voilà. Ça sert à rien, tu sais, ça nous atteint pas. Hein. Ah non, les insultes. Donc je tiens à te le dire aussi, tu peux me traiter de tous les noms, je m'en fous, mais alors. Contre fou. Comme les années 20. Donc en fait, tout simplement, après je dis, vous avez pas aidé combien ça prend de temps tourner, monter et les miniatures. Donc vous savez pas du tout combien ça prend de temps. Donc déjà, il faut trouver le concept. Concept, tu mets au moins. Attendez. Bien. Tu mets au moins deux jours, au moins, moi je prends 2-3 heures pour réfléchir et à ce moment-là je le trouve concept. Je le trouve le concept. Mais en fait, tout simplement, monter c'est long. Il y en a des vidéos, ils sont à 24 minutes. Donc les frérots ont été critiqués parce que tout simplement 24 minutes. Et bah, ils les regardent pas et puis c'est tout. Ouais, c'est hyper dur à monter 24 minutes. J'ai encore. J'ai fait du. Les abonnés, je vous le dis, j'ai fait du gaming pour vous. J'ai fait du gaming pour vous, j'ai même pas encore pu faire un rendu parce que tellement qu'elle dure longtemps que je dois encore couper des choses. Donc, vous voyez le temps de monter, 24 minutes de montage. Voilà, ouais. Tu dois écouter. Suivant menu. Tu dois écouter avec tes écouteurs là pendant 24 minutes et voir les moments qui vont pas et couper. Et non, mais si c'est que le père regarde pas, c'est tout. Voilà, au revoir, chevalier. Suivant. et voilà, j'ai dit que j'en ferai une vidéo spéciale, et ben elle est là. Voilà. Donc voilà. Et voilà, sachez que vous êtes R sur YouTube, vous êtes rien quand vous êtes non créateur. Absolument. Donc voilà. Il y en a un autre ou pas? Et ben on va trouver des autres commentaires maintenant. Non, mais il y avait des mauvais commentaires des autres ou pas? Là, non. Mais on va voir sur d'autres vidéos. Attends, c'est chevalier, quoi, qui fait chier. Chevalier, par contre, si tu regardes cette vidéo. Ma mère, elle t'a incendié, frérot. Oui, frérot. Frérot chevalier. Elle t'a incendié, frère. Alors, c'est communauté. On va voir les commentaires méchants, puis on va répondre, hein, tout simplement. Ouais, chevalier, t'es nul, hein, chier. Voilà. Là, c'est pas vraiment un commentaire méchant, mais peut-être tu peux répondre. Mais c'est pas vraiment un commentaire méchant. C'est quoi? Donc, sur la vidéo, je vais chercher mon copain et tout. Donc, en fait, tout simplement, il y a Dita Manoir, elle me dit bien, mais arrête tes E et tes donc, mais sinon super. Voilà. Que ça. Pourquoi tu dis tes. En fait, tu sais, j'hésite un petit peu. Tu répètes un petit peu. Ouais, je dis donc, mais ça, c'est pas vraiment un commentaire méchant. Dita Manoir. Bon, bah, Dita Manoir. Ouais. Bon, pour Dita Manoir, arrête tes E et tes E, c'est ça? Non, tes donc. Tes donc. T'es donc. T'es donc. Je suis désolée, on est en démocratie, on a le droit de s'exprimer comme on veut. Ouais, je sais, après, il y a des gens qui hésitent. Ouais. Moi, après, tu sais pas les soucis que Samuel a. Voilà. Je suis désolée, t'as pas à juger les personnes sans les connaître aussi. Sinon, ton com, il est gentil, hein, je dis pas le contraire, mais ta réflexion, toute la gamme, quoi. Voilà, c'est tout. Et puis pour te dire, tu peux m'insulter aussi. Voilà. Ça m'atteint pas. Celui-là, il y a beaucoup de choses et tout. Donc. Celui-là, c'est quoi? Alors, celle-là, c'est de jus de raisin. C'est une fille ou un mec? Je sais pas, un mec, je crois. Jus de raisin, Eclaria MC. Ton nom me dérange pas du tout. Sauf juste en 2017, ça s'appelait jus de raisin sur YouTube. Ah, ça craint. Pecno. Ça craint, ouais. Alors, tu sors une vidéo tous les jours, tu prends 0 abonné, arrête les vidéos, les seules personnes regardant tes vidéos sont moi et tes potes. Et moi, je regarde juste pour la critique.
Comment il s'appelle, jus de raisin? Ouais, jus de raisin. Bon, et jus de raisin, donc écoute, quel intérêt de regarder les vidéos pour critiquer? Donc ouais. Ça s'appelle ça, simplement de la méchanceté gratuite. Je vais y répondre. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Ah, tu viens juste pour critiquer. Voilà. Je sais pas, je fais, t'as pas un boulot, t'as pas quelque chose à faire, t'as que ça qu'à faire de tes journées, tu te fais chier à ce point-là pour critiquer nos enfants. En fait, tout simplement. Il a 12 ans, mon fils, hein, je suis désolée, mais bon, de critiquer un enfant de 12 ans, ça fait pitié, t'es pathétique, tu crains, je te plains. Tout simplement. Je te plains, jus de raisin. Ça rime en plus. Jus de raisin, je te plains. T'es de cul. Putain, frérot, si tu passes par là, ma mère, elle t'a entendu encore une fois. Donc j'aime pas qu'on insulte mon fils comme ça, c'est tout, il fait rien de mal, c'est tout, il s'amuse. Regardez, je sors une vidéo tous les jours, je prends peut-être 0 abonné. Mais frérot, toi, j'ai regardé ta chaîne, t'as que des vidéos, 1, 2, 3, 4 vues. Moi je fais 33 vues par vidéo. Et voilà, donc, au total, jus de raisin, mange du crabe. Il y a des spams aussi, attends. Donc, alors, moi, je prends... Après, il faut faire trop long de la vidéo. Ouais, là, ça dure 11 minutes, mais après, on va arrêter. Donc, tout simplement, j'ai 4712 vues. Si tu veux, on fera une deuxième partie plus tard. Ouais. Déjà, la première partie pour les trois, là... 4712 vues. Toi, t'as, allez, 3-4 vues par vidéo. J'en fais 14 vues, 38 vues, 34 vues. Mmh. Par vidéo, presque. Et il y en a une, presque ma plus ancienne, elle est à 1000 vues. Donc voilà. Et puis demain, tu peux couper? Non. Demain, bah, du coup, je me pomponnerai bien comme ça, moi je pourrais être sur la vidéo aussi. Voilà. Donc tout simplement, voilà, les frérots, arrêtez de critiquer, ça sert à rien du tout. Voilà, ça sert à rien. On se retrouvera pour une deuxième partie. C'est de la méchanceté gratuite. Voilà. Si vous avez rien à faire, je vous l'ai déjà dit, vous regardez un film de cul, c'est très bien. Pour vous, ça vous va parce que votre cerveau est assez limité. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée, les abonnés. Et tu veux qu'on réponde un com aussi encore de jus de raisin, lui, tu sais? Jus de raisin, il a encore écrit un truc? Ouais. Ouais, vas-y. Bah, il a encore écrit plein de trucs. Quoi. Donc, en fait, tout simplement, on va faire un autre commentaire après qu'on arrêtera là. Voilà, et en le fait, dernier de jus de raisin. Vas-y. Donc, en fait, tout simplement, il dit: bon, alors, tout simplement, on ne croit pas que. Toi, petit youtubeur, que YouTube va t'écouter, tu auras ta réponse, mais tu n'auras rien changé. Puis si YouTube a des problèmes, c'est qu'il n'arrive pas à régler le problème, ton message ne les aidera pas. Donc, il a un beau prince de vie. Ouais, donc en fait, tout simplement, je tiens à dire que YouTube... c'est pour tout le monde. Voilà, YouTube, c'est pour tout le monde, donc déjà d'une... Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut sur YouTube. Si on veut mettre des vidéos où on dit à YouTube qu'il va mal, et c'est pas faute de le dire, YouTube va mal. Voilà, YouTube, vous êtes une très bonne plateforme, mais vous allez mal, faut l'avouer un jour ou l'autre. Mais tout simplement, toi, jus de raisin, t'as rien compris à ta vie. Non, mais jus de raisin, je pense que t'as autre chose à faire de ta vie que de critiquer un gamin de 12 ans. Quoi, c'est... Voilà, et encore. À moins que t'as que ça qu'à faire de ta vie, mais sinon, bah, je te plains. Je voudrais pas être à passe, hein. T'es pathétique. Hein. Je sais. Je sais même pas combien de youtubeurs tu critiques. Tellement que tu critiques tout le monde. Je pense que tu fais ça de ta journée, en fait. Voilà. Bon, alors tout simplement, toi qui es petit youtubeur, YouTube va t'écouter, tu auras ta réponse et tout. Mais toi aussi, t'es petit youtubeur, t'es un petit con. YouTube, déjà d'une, bah c'est tout. C'est. Pour tout le monde, on a le droit d'envoyer des messages à YouTube. Moi, j'ai envoyé des messages à YouTube. Et ben, alors, qu'est-ce que ça fait? Vous allez dire, on fait ce qu'on veut, là. On est en démocratie, on dit ce qu'on veut. Voilà. Hein, on n'est plus autant de... Demain. Voilà. Et là, on vous souhaite une bonne soirée, les abonnés. Voilà. Bonne soirée, mon Nunu. Ça arrive, maman. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Si ma maman veut que vous... Que
qu'elle soit dans des prochaines vidéos. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que vous ne trouvez pas les abonnés. Avec maman, on se régale un petit peu parce qu'elle incendie tout, mon bain. Ouais, tchuss, mes frères. Voilà, les amis. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu. Mais à part ça, je suis super cool en vrai. Hein, mais j'aime pas les critiques, méchanceté gratuite. Voilà. Sinon, ma mère, elle est au top. Elle si je suis voilà. Cool. Tchuss, les frères. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et les commentaires de jus de raisin. Mais putain, lui, par contre, on va s'en faire plein. Donc voilà, juste pour te dire, jus de raisin, si tu passes par là, tes critiques, c'est de la grosse merde. Voilà, tes critiques, c'est de la grosse merde. Pourquoi? Parce que... le problème, ton message ne les aidera pas et tout. Bah, c'est parce qu'on est obligé de répondre parce que voilà. C'est tellement. Tellement chiant. C'est gamin, ouais. C'est méchant, on est obligé de répondre, mais en vrai, on devrait même pas de répondre et être plus intelligent que toi en fait. Mais voilà. Bon, c'est ce qu'on fera la prochaine fois, être plus intelligent, c'est-à-dire on te zappera l'indifférence voilà. Totale. Voilà. Voilà, jus de raisin. qui mange du raisin tous les jours. Jus de raisin. Voilà, en fait. Oh, voilà, tchuss, jus de pomme. Donc en fait, je crois qu'en fait t'as rien compris à ta vie, toi, YouTube a des problèmes. Donc en fait tout simplement... Non, tout simplement c'est qu'il faut qu'il enlève le balai qu'il a dans son cul. Ça le rendra moins débile et moins coincé. Je sais pas si... ça va être accepté parce que j'ai le droit de dire ce que je pense, on est en démocratie. Je sais pas si ça... Allez tous mes frères. Je sais pas si ça va être bipé les amis, mais ma mère elle vous a incendié les frérots. Je parle pas de vous, les abonnés, vous êtes gentils avec moi. Et puis voilà, avec vous je peux enfin faire ma passion que je veux. Voilà, donc Panda Fire Game c'est pareil. Voilà, si t'as des critiques, bah fais comme nous. Voilà. t'invites ton père, t'invites ta mère sur ta vidéo, et puis voilà. Allez, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On fera une partie 2. Et toi, par contre, jus de raisin, enlève ton balai dans le cul. Voilà, donc. Voilà les amis, donc moi je vous dis à la prochaine les amis, n'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, et voilà, moi je vous dis à la prochaine les amis, et ciao tout le monde, ciao.